chez Camille, Calici et Lily Rose qui est là. On est la team bleu, sport bébé est bleu, poussette est bleue. Je pense que j'enlève mes lunettes de soleil dans le magasin. On sera à Kelly, il faut que je trouve des habits pour Lily Rose. Alors attendez. Hop là. Oh, il fait beau dans la Mexique. Donc on va chercher des petits habits parce qu'en fait le 3 mois il est un peu petit, on l'a remarqué, et du coup et le 6 mois aussi, donc on va regarder un petit peu ce qu'on peut prendre pour la puce. T'as besoin des choses toi pour la tienne? Ah oui, elle grandit d'un coup. Ouais. Tout racheter. Bah, fais-toi plaisir. Rachète tout. Oh, il y a des trop mini chapeaux, regarde en paille. Ah oui. Et regardez les filles. Oui, c'est ça qui manque. Hop, ici elle va commencer à choisir ses. Donc je vais choisir pour Lily Rose, qui est juste là. Coucou. Vous avez vu les lunettes, ça lui va trop bien. On va te les enlever dedans, la puce, les lunettes. Oh là là, c'est dur. On se rendort, maman elle refait un peu. Hop hop. Donc je vais mettre tout dans ma petite poche là. La poche trop pratique. Avec les petites clés, hop là. Donc on va chercher des petits habits mignons pour Lily Rose. Une qui dort plus. Alors nous on sert de repose-rayon. Donc tout ça c'est le côté de Lily Rose. Et ça c'est le côté de Calici. T'as trouvé quoi? Des leggings? Ouais, ça, quand il fait frais. Elle a le même avec les nuages. C'est vrai que j'ai pas du tout de leggings, moi. Mais moi, elle a que des robes, alors. Je crois que je leur prenne frais, des collants. C'est pas faux, faudrait que j'ai 2-3 trucs pour prendre, ça fait un peu plus frais. Ouais, je vais lui trouver. Tiens, on va chercher 2-3 petits leggings et 2 petits hauts. Comme ça va le faire. Hein, ma puce? Là. C'est pas moche? Non, c'est pas moche, avec un joli t-shirt, ça passe bien. Alors, c'est où? C'est là? Comment tu sais que c'est des. Ah, ok, c'est dessiné. On va dire, ça dessine. Ok. J'adore celui-là. Ah, mais c'est ce que t'as pris aussi? On va prendre les mêmes trucs, c'est pas grave. Bon, on va chercher. Kelly, c'est fait. J'ai pris le stock pour la puce. Parce que j'ai pas mal de choses en 6 mois pour l'été. Je pense que c'est des choses qu'elle portera sous un mois. Mais du coup, pendant un mois, elle va pas se balader un peu les fesses à l'air. Parce que les robes deviennent des tuniques. C'est problématique. Donc du coup, là, j'en ai eu quand même pour 72€. Mais bon, elle va avoir de quoi tenir. C'est ça au début. De toute façon, il vous porte des tailles pas très très longtemps. Hein, Camille? Tu vas où? Bah, King jouait. Ah, mais on peut pas passer par là? Non. Ah, moi j'ai cru. J'ai voulu faire un raccourci inexistant, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Lily Rose, ben, elle est bien calme, elle est bien à l'abri. Parce qu'avec le soleil, ça commence déjà à taper, c'est 11h30. La dame à la caisse, je crois que ça faisait pas très très longtemps qu'elle faisait la caisse, du coup elle avait un petit peu du mal. Bon, c'est normal, hein. On passe tous par là, on apprend. Et du coup, on a mis un petit peu de temps en caisse. Ah! Les galères de passer des trottoirs qui ne sont pas en forme de trottoir. Voilà, et Camille elle a tracé ça, mais bon, la puce, pour pas qu'elle prenne chose qui fait chaud. Coucou, on est rentrés, j'ai une petite tête qui dépasse, c'est d'elle. Néon, tiens, par contre, va donner ça à papa. Hop, tiens, c'est le nouveau chargeur de l'ordinateur. Je vous montre pas, mais j'ai dû racheter un chargeur d'ordinateur Mac. Parce que c'est ça que j'utilise pour faire mon montage. Alors, Mac, Apple, j'adore, il n'y a pas de souci. Hein. Mais par contre, le prix de vos produits, comment vous dire que le chargeur m'a coûté 84€. Je suis arrivée, j'ai fait. Ah ouais, j'avais pas le choix parce que le mien a cramé, du coup, mon ordi ne charge plus depuis ce matin. Donc je n'avais pas d'autre choix que de prendre. Bref, passons de toute façon aux achats de Lily Rose. Je vois pas l'intérêt de vous faire un haul. Je trouve sympa de vous montrer là en vlog. Alors, j'ai pris cette. Donc j'ai pris que la Kelly. J'ai pris cette jolie petite robe. Regarde, je suis au passage. Donc en taille, je l'ai pris en taille 3 mois. Elle a coûté 8€. J'ai testé sur. En fait, je lui posais, je voyais au niveau de la longueur. Parce qu'en fait, j'ai pas mal de choses en 6 mois pour les beaux jours. Mais en 3 mois, j'ai pas grand chose. Et vraiment, il fait chaud. Donc il y a besoin. J'ai pris cette autre petite robe. Toujours en taille 3 mois. 8€ aussi, donc c'est vraiment le même style, mais vous voyez, mais c'est pas les mêmes motifs. C'est trop mignon, ça, le jaune, comme ça, pour le moment, ça y va bien. Ensuite, j'ai pris en taille 6 mois parce qu'elle taille pas très très grande cette combinaison. Elle est trop belle, fleur et tout. Elle a coûté 8€. Ils appellent ça un best-of en 6 mois, mais si je compare par rapport à une longueur de robe, je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais c'est à peine plus long, donc ça ira. Eden essaie d'ouvrir la boîte, mais ça souffle pas. Ensuite, j'ai pris ça. C'est une petite combinaison. En fait, ça fait aussi pyjama. Mais moi, je trouvais ça trop mignon avec les petits poissons. Parce que des combi shorts, ils n'en avaient pas trop. Ensuite, j'ai pris au rayon body, des petits body en fait avec des petits volants. Comme ça, donc lui, il écrit « Hello ». J'adore aussi celui-là avec les tickets. Donc en fait, elle peut les porter à la journée. Ça fait tout mignon. Je trouve que ça fait habiller en fait, enfin ça fait pas juste le body basique. Donc en 3 mois ils m'ont coûté 8€ les deux. Et j'ai pris pareil avec celui-là avec le petit soleil. C'est pas trop mon préféré. J'ai vraiment pris parce que j'adorais celui-là avec écrit mini sunshine, petit soleil. Je trouve ça trop trop mimi. En bretelle du coup elle sera juste trop bien. Donc là après je vais vite
Oh ma Lily. J'ai vite lancé une lessive. Ensuite, je l'ai pris pour les jours où il fera un petit peu moins chaud. J'ai pris des petits leggings. Alors, vous savez, des mini leggings qui vont en fait jusqu'au. Donc, je l'ai pris en tout rose, en rose à pois. Comme ça. Ah non, celui-là a coûté 4€, celui-là 2,50 et celui-là 2,50, vous voyez quoi. Et j'ai pris 3 t-shirts du coup pour aller avec. Donc un premier avec une jolie petite fille, j'ai vérifié qu'il y avait tous les boutons derrière, 4€. Pas trop mimi. Ensuite j'ai pris celui-là qui est en mode tie and dye. Donc j'ai pris en 6 mois celui-là, celui-là en 3 mois, parce que, en fait le 6 mois celui-là fait la même longueur que le 3 mois de celui-là. Ne me demandez pas pourquoi. Vous voyez, il y a à peine 1 cm d'écart. Donc trop mignon, donc ouais. Ça coûte 6€, celui-là 5€, celui-là il valait, il est où le prix de celui-là, 4€, et celui-là il vaut 5€, c'est le dernier que j'ai pris, tout mimi. Donc celui-là en fait je le verrai trop avec avec le petit leggings, alors plutôt avec le leggings tout rose comme ça, vous voyez, hop, ça fait une petite tenue, celui-là avec celui-là, hop, vous voyez. Ah, c'est la bijou. Et en dernier, bien sûr, celui-là. Voilà, comme ça, ça lui fait des tenues quand il fait un petit peu plus frais. Et je pense que là, j'en ai pour au moins tout le mois de juillet. Jusqu'à fin, on est quoi? On est début juin. Parce que mi-juin, on est combien? Combien sommes-nous? Nous sommes le 12. Bon, on est mi-juin. Je pense que ça ira largement jusqu'à mi-juillet. Et après, je pense qu'on passera dans 6 mois. Et 6 mois, j'avais déjà ce qu'il fallait. Je pensais que dès les beaux jours, elle sera en 6 mois. Je sais pas, je croyais qu'elle grandirait aussi vite qu'Eden, mais non. Elle grandit quand même très vite. Il se passe une correction. Elle commence à voir. C'est les boutons derrière mon cœur. On va lui enlever, elle a chaud. Hein. Allez. On va la mettre sur le ventre. Tu peux la tourner complètement, ça fait du bien d'être sur le ventre, mon cœur. Oh putain. Oh punaise. Oh punaise. Oh, punaise. Oh maman, au secours. Oh maman, au secours. Ça, vous voyez, c'est papa qui a trouvé des boutons qui ne sont pas des boutons pression qui fait. Oh là 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 là. Au secours. Maman, 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 va. Allez, je vais défaire les. Tu tapes la Cosette. Ah oui. Vous avez vu, on voit là que ça repousse. Vous commencez à pouvoir le voir, vous, en caméra. Eden est à la sieste et Lily Rose me tient compagnie dans son transat pendant que je travaille. Oh oui. Oh là là, t'en as des choses à dire. Re-coucou les amis. La chaleur est vraiment dure à supporter. Hein. On est en train de faire un barbecue juste nous. Anthony te téléphone, ouais. Eden est là, donc c'est moi qui reste dehors pour surveiller parce que le barbecue c'est très dangereux avec un enfant. Tu t'éloignes mon cœur, maman elle te veut pas aussi près. C'est dangereux. Oui, ici Eden est en train de manger son dessert, donc c'est les gâteaux qu'on a préparés que vous verrez vous mercredi à 17h comme tout mercredi des enfants. C'est bon hein? Oh oui hein mon cœur. Donc Anthony est toujours en train de se battre avec son barbecue. Petite pisse, elle est juste là. Coucou la princesse. Ça va bien? Ouais, elle est bien réveillée. Elle ne dort pas depuis un petit moment. Donc j'espère que ce soir du coup ça va bien dormir. Parce qu'il est déjà 20h, donc Eden, après je vais lui faire son petit biberon. Et après il va pouvoir aller tout doucement et bien zododo. Le grand garçon, parce qu'il n'a pas dormi tard. Mais après comme on a pris le temps de faire le mercredi des enfants, ça nous a pris un petit peu de temps sur le vlog. D'où un petit trou dans l'après-midi, tout simplement. Tu viens? Allez, viens. Mais t'as raison. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Je tape du pied, c'est moi qui. Hein, c'est ma susu, tu la touches pas. On va d'abord salle de bain, changer. Bah, si, attends. Allez. Salle de bain, gauche. Hop. Tu vois? Ton bibi, il est là si t'as soif, mon pépère, d'accord? Il passe pas à travers, c'est parfait. Nickel. À demain. Check. Check. Je t'aime mon pépère. À demain mon bébé. Fais de beaux rêves. À demain.
Donc voilà, on est sous les chaleurs. On va casser la croûte. Préparer pour le... préparer pour notre pique-nique demain, parce que demain on va pique-niquer. On va profiter du beau temps, des chaleurs pour aller pique-niquer en montagne. Bon, je traverse chez ma maman pour nourrir ses cochonnades. On lui a acheté des croquettes à cochonnades. Vous allez me dire, c'est pas du tout le bon terme, mais c'est pas grave, c'est une petite avec mes mouches.